Voilà, alors je vais interrompre les conversations qui se déroulent à l'extérieur pour vous souhaiter la bonne année, oui, la bienvenue à cette dernière séance de ce cycle sur la laïcité. Merci de votre fidélité. Donc les petites annonces pratiques comme d'habitude et une de plus. Donc vous avez sur la table derrière quelques numéros d'études théologiques et religieuses, toujours en vente, et il y en a un de plus puisque est sorti la semaine dernière un numéro hors série qui réunit les articles que notre regretté collègue Jean-Daniel Cosse avait écrits pour OTR depuis une vingtaine d'années, ou même 25 ans maintenant, oui. Avec un article inédit aussi, donc il est en vente aussi à la sortie si vous le désirez, les prix sont indiqués. Vous trouverez aussi à la sortie les programmes de la faculté, tout simplement parce que peut-être que ce cycle vous aura donné envie de continuer. Alors comme ça, comme les inscriptions, ça peut être par semestre, vous pourrez voir ce qui se passera le prochain semestre dans nos murs. Donc servez-vous, alors ça c'est gratuit par contre. Et puis l'éternelle corbeille, vous pourrez mettre votre corbeille. Voilà. Je donne maintenant la parole à Alain Bacuet qui a une annonce à nous faire de la part de l'AMILFAC, l'Association des Amis de la Faculté. Merci. Il faut le micro ou vous m'entendez comme ça? Ça va? Vous m'entendrez? Bon. Je pense ou j'espère que vous avez tous déjà entendu parler de l'AMILFAC, l'Association des Amis de la Faculté. Son président, Louis Rennes, voulait vous dire quelques mots ce soir. Il a malheureusement été empêché par une mauvaise chute. Il m'a donc fait passer un texte de sa part que je suis chargé de vous lire maintenant. Ça va, vous m'entendez assez? Bon. Bonsoir, je remercie, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Louis Rennes, mais je remercie aussi. Je remercie tout d'abord votre conférencier de me laisser quelques instants pour vous présenter l'association AMILFAC, l'association des amis de la faculté de théologie protestante de Montpellier. Elle a été créée en 2012 à l'initiative de l'IPT et de l'EPUMA. Son but premier était de rassembler les amis de la faculté, c'est-à-dire ceux qui aiment cet établissement, qui viennent pour participer à des cours, des conférences, toutes sortes d'activités. L'association sert à diffuser toutes les informations utiles pour suivre l'activité universitaire en interne et en externe. À l'occasion, nous organisons un événement public, conférences, expositions, etc. Depuis 4 ans, nous avons développé différentes aides pour les étudiants. Comme vous le savez, la situation des étudiants de l'enseignement supérieur en France est difficile pour un grand nombre d'entre eux. Les étudiants de théologie n'échappent pas à cette difficulté. Nous avons développé, avec le concours de la Banque alimentaire de l'Hérault, un programme d'aide. Cette année, 26 étudiants et étudiantes bénéficient de ce programme. Nous apportons une aide financière à quelques étudiants en grande difficulté financière. Nous aidons les futurs pasteurs à leur départ de la faculté, à acheter des livres pour compléter leur bibliothèque personnelle. En résumé, nous ne voulons pas qu'un étudiant ne puisse pas suivre un cursus de théologie pour de simples raisons financières. Une association est d'autant plus forte vis-à-vis des organismes susceptibles de la subventionner que son effectif est important. Nous visons un nombre de 100 adhérents. Nous sommes 60 actuellement. Nous vous invitons à nous rejoindre. C'est le nombre qu'il faut, là, vous êtes juste le nombre qu'il faut pour compléter. Oui. Nous vous invitons à nous rejoindre. Vous trouverez à la sortie sur la table un prospectus pouvant servir de bulletin d'inscription. La cotisation annuelle est de 20 euros pour une personne et de 25 pour un couple. AMILFAC sera heureux de vous accueillir. Merci de votre attention. Voilà, et nous accueillons donc ce soir quelqu'un qui n'est pas inconnu pour vous, naturellement, Olivier Abel. Olivier Abel qui s'est occupé de, qui
est donc professeur de philosophie ici à Montpellier depuis 2014, mais à l'IPT, l'Institut protestant qui regroupe Montpellier et Paris, depuis des temps immémoriaux. Je n'oserais pas dire une date, voilà. Qui s'est pas mal occupé de laïcité dans un certain nombre d'articles il y a quelques années, et en particulier de la laïcité vue du point de vue ou de la situation, en tout cas, de la Turquie, qui est un pays laïque, mais d'une autre manière que la France, bien sûr, et donc avec un point de vue tout à fait original. Alors, c'est un livre en turc que tu as écrit, dont je ne sais pas le titre, parce que je ne connais pas le turc, mais si certains vous demanderez à Olivier. Et puis aussi un livre qui touche ce sujet, avec les paradoxes politiques de Pierre Bayle, édité chez Michalon en 2017. Voilà, donc à toi la parole, et merci. Merci Christophe. Merci aussi pour cet appel pour la MIFAC. C'est vrai que c'est très important pour nous de sentir ce soutien. Et en effet, par rapport à une situation des étudiants qui est plus précaire, qui est devenue de plus en plus précaire. Et malheureusement, c'est pas fini. Alors aujourd'hui, donc, j'ai donné un titre un peu long et un peu, je dirais, bancal. De Pierre Bayle à Paul Ricoeur, le paradoxe politique de la laïcité et la situation contemporaine de la laïcité. Je voudrais d'abord partir de comment je vois la situation contemporaine de la laïcité dans notre pays. Je voudrais remonter à Pierre Bayle pour essayer de comprendre d'où nous venons, puis revenir à Ricoeur et à nous. Je vous donne tout de suite mon cap, si je peux dire, mes idées principales sur la laïcité. La première, c'est que la laïcité n'est plus ce qu'elle était. Que la mondialisation a déterminé un besoin de clôture, un besoin d'immunité d'une certaine manière, qui a changé le sens général de la laïcité, qui autrefois était plutôt en direction d'une ouverture. Et donc il y a un changement de la problématique globale de la laïcité. Ensuite, deuxième idée, c'est que la laïcité, je vais la développer, celle-là plus, sans doute, que la laïcité aujourd'hui est fragile, que notre vieux pacte laïque est peut-être justement fragilisé, peut-être menacé d'être rompu, et que donc, troisième idée, qu'il est possible, qu'il est nécessaire, qu'il est urgent de repenser ensemble la laïcité dans ce nouveau contexte et d'installer durablement le pluralisme culturel qui est le nôtre avec des traditions qui seraient elles-mêmes mises en état de créativité. Il me semble que le problème, souvent, c'est qu'on cherche à conserver le passé, mais pas assez à le tourner vers une situation, je dirais, de créativité. Donc, première partie, l'état de la laïcité. D'abord, je parlerai de la condition pluraliste. Moi, je voudrais partir du sentiment d'une fragilité de la laïcité, et même d'une fragilité à... Une petite parenthèse, c'est que, une fois n'est pas coutume, rarement je rédige ce que je vais dire, et là, je l'ai rédigé très largement, ce qui me met en situation très inconfortable, parce que je déteste lire ce que j'ai écrit, et c'est ce que je vais beaucoup faire ce soir. Oui, que donc il y a déjà une insécurité dans le mot de laïcité, parce que c'est un mot équivoque auquel on donne des significations extrêmement diverses, et que donc il faut ouvrir le débat à l'amplitude des significations possibles du terme, même si après il faut trouver certaines régulations à l'espace de ce débat. Et donc c'est bon, quand on entre en débat sur la laïcité, comme on l'a fait tout au long de ce cycle, de placer nos voix comme ne prétendant pas maîtriser complètement la question, mais faire cercle autour de la question, d'une manière à laisser la place encore à des voix souvent qu'on n'a pas assez entendues, qu'on n'a pas entendues du tout. Et je trouve que ce geste même, ce faire cercle, dans sa pragmatique, donne à penser sur ce dont il s'agit. La laïcité, c'est le nom donné, depuis un peu plus d'un siècle, à la cohabitation dans le même espace public et de société civile, à plusieurs traditions, interprétations, appartenant, etc. Et donc, elle tient à la prise en compte dans les présupposés de notre constitution politique, comme dans la radicalité de nos convictions, y compris vos convictions religieuses, mais pas seulement. La laïcité est une question qui fâche partout. De la condition pluraliste des sociétés modernes. Une société pluraliste, c'est d'abord une société qui est sortie des guerres de religion. Qui n'est pas sorti des guerres de religion par en haut, avec la condescendance éclairée
de ceux qui refusent de se battre pour des chiffons obscurantistes, hein, les restes de religion, mais sorti par en bas, avec l'humilité de ceux qui savent qu'il n'y a pas d'issue aux ténèbres et que les guerres de religion, que la guerre en général, la guerre civile, n'est jamais loin. Lorsque Pierre Bayle parle des droits de la conscience, il ne parle pas d'une conscience libre et bardée de droits, hein. Il parle des consciences errantes, des consciences égarées, des consciences qui sont dans l'erreur, et dont il dit que leurs droits sont pourtant, là même encore, les droits de Dieu. C'est sa phrase. Les droits de la conscience sont les droits de Dieu. Loin qu'on l'on puisse s'appuyer donc sur des lumières absolues, que ce soit celles de la foi ou les lumières de la raison, l'idée est qu'on est tous dans une certaine obscurité et qu'on est tous un peu égarés. Une société pluraliste, c'est donc une société qui a accepté, non pas seulement comme un renoncement, comme une résignation, mais comme une approbation, que le fait religieux, à l'échelle de l'humanité, ne se présente pas de manière unifiée. Et pour reprendre une analogie déjà pratiquée par Kant dans la religion dans les limites de la simple raison, il en est des religions comme des langues, il n'y a pas plus de religion universelle qu'il n'y a de langue universelle, il n'y a pas d'espéranto de la religion. Et ce défaut d'universalité, ce défaut d'unification religieuse, n'est pas seulement un fait avec la laïcité, il devient une valeur, quelque chose que nous devons approuver. Pour ça, donc, il a fallu renoncer à ce mythe double que si nous avions tous le même Dieu, nous serions enfin réconciliés, mais c'est au fond la même idée que si enfin nous étions complètement débarrassés des dieux, nous serions réconciliés. Un tel renoncement, tant de la part de chacune des religions que de la part des diverses formes d'anti-religion, il y en a beaucoup, a été difficilement obtenu au travers de conflits dont on a peu à peu découvert qu'ils étaient insolubles. Il a fallu pour cela donc sortir de la puérilité de croire à la possibilité de débarrasser le politique, donc de vivre ensemble, de toute conflictualité. Pour le dire autrement, en acceptant le caractère indépassable du conflit, la laïcité a défini un principe d'équité entre les convictions et aussi entre les confessions religieuses, au sens large, donc religieuses, tout ce qui implique un sacré, pourquoi on peut mourir, pourquoi on peut tuer aussi. Et donc qui consiste à ce qu'elles renoncent ensemble et simultanément à la prétention hégémonique, à la prétention chacune à être l'unique pilier du vrai ou du juste. Ce qui fait la solidité de la structure laïque, c'est comme ce qui fait la solidité d'une voûte, ou pour reprendre l'image du Panthéon à Rome, je ne sais pas si vous vous rappelez ce bâtiment étonnant de la grande époque impériale, qui est construite, où la voûte est construite autour d'un vide central. Donc non seulement la voûte est elle-même construite autour d'un vide, mais la voûte elle-même, la clé de voûte n'existe pas. C'est un vide. C'est vraiment un bâtiment très étonnant, je dirais même religieusement, théologiquement. C'est une architecture très étonnante. C'est donc le poids, la pression réciproque exercée par la pluralité des traditions, des confessions, qui s'entrepêchent mutuellement de tomber. Si ces convictions étaient sans force, sans véhémence, je dirais sans sincérité, la voûte de la société et de la société laïque ne tiendrait pas. C'est ce qu'on a souvent oublié, et c'est peut-être justement ce qui fait une des choses qui fait la fragilité de la laïcité aujourd'hui, la fragilité de la modernité, qui part de l'idée de lumière au pluriel. Deuxième point, l'écart entre laïcité et sécularisation. La laïcité se donne au départ comme un principe très simple, qui affirme la liberté égale de conscience et la coexistence pacifique des cultes. Mais pour cela, et c'est tout autant au principe de la laïcité, elle demande la neutralité de l'État et exige de chacune des religions ou des traditions philosophiques aussi qu'elle renonce à imposer au législateur sa morale ou ses mœurs. Cette séparation de la morale et du droit est d'ailleurs contemporaine de l'invention du mariage laïque, c'est-à-dire de la possibilité légale de se marier en dehors de sa communauté, est tout à fait fondamentale politiquement. Donc vous voyez, je dirais, la première orientation, liberté de conscience, elle est radicalement démocratique. La seconde orientation, neutralité de l'État, elle est fondamentalement républicaine. Et il me semble que les positions autour de la question de la laïcité s'échelonnent autour de cette polarité, entre un principe démocratique et un principe républicain. Y compris parmi les positions protestantes que nous avons entendues et que nous avons écoutées avec plaisir tout au long de ce trimestre. La laïcité est donc fragile parce qu'elle est d'emblée elle-même non pas un principe simple, mais une équation
la perpétuelle invention d'un compromis qui installe durablement une ambiguïté de lecture, démocratique ou républicaine, un conflit d'interprétation diversement soutenable. On peut dire que c'est précisément cette tension et cette ambiguïté qui a fait le génie de la laïcité, dont les réalisations historiques ont été, je parle vraiment, je suis dans le contexte français, hein, alors, je fais une parenthèse, mais c'est la laïcité à voir avec ça. Quitte après, est-ce que de proche en proche, on voit d'autres traductions de la même question? Donc les réalisations historiques ont été des compromis délicats qui ont fait avancer tous les protagonistes, qui ont progressé, je dirais, ensemble. Je voudrais insister sur le fait que dans son principe républicain, qui exige de laisser la religion au vestiaire, si je peux dire, pour rentrer dans l'espace public, la laïcité, un peu, hein, c'est un peu ça, la laïcité s'est adossée à une sécularisation, presque indolore et involontaire, une sorte de démocratisation interne des religions, laissant faire le jeu des processus socioculturels de privatisation, de subjectivisation et de pluralisation des croyances. C'est ici l'un des grands apports de Charles Taylor, le grand philosophe canadien, au débat français, que de nous rappeler cet autre versant, sans lequel le premier aurait été impossible. Il n'y a pas d'avancée de la laïcité républicaine s'il n'y a pas en même temps l'avancée d'une sécularisation démocratique, y compris interne aux religions. Donc ce qui a joué ici, c'est le pluralisme effectif, plus que la neutralité officielle, c'est l'autonomisation mutuelle des sphères de vie les unes par rapport aux autres. Ce processus a été porté par l'idée que la croyance religieuse n'est au fond qu'un choix individuel. Aujourd'hui même, on dira simplement une option. Au départ, c'est pourtant une idée héroïque, elle-même d'origine religieuse. C'est l'idée que l'on peut quitter son Église. À l'époque de Calvin, quitter l'Église, c'est sortir du monde, c'est risquer l'abîme. Pour Calvin, il n'y a pas d'autre épreuve que cette exigence de sincérité devant Dieu, par laquelle il appelle ceux qui sont convaincus par les idées luthériennes de la Renaissance évangélique de faire ce qu'ils disent et vivre, et comme ils pensent, et de ne pas masquer leur foi. C'est son excuse à messieurs les Nicodémites. Ce thème de la sincérité a lui aussi été très, très souvent mis en avant par Charles Taylor comme un aspect essentiel du sujet de la subjectivité moderne. Ce droit de dissidence, ce droit de partir, a particulièrement été développé par John Milton, le poète, le chanteur de la Révolution anglaise, toujours sous-estimé cette révolution en France, où l'on mesure mal son importance dans l'histoire des idées politiques, mais aussi dans la sociologie religieuse qui fait les nouveaux mondes, tous les nouveaux mondes liés aux colonisations, notamment. Les colonies seront souvent peuplées par ces dissidents qui presque toujours font appel à une tolérance religieuse radicale. Je parle particulièrement des États-Unis. Cette liberté individuelle de sortir est la condition du droit d'entrer, droit d'adhérer, d'appartenir, de se convertir, si mal vu par les religions traditionnelles. On peut tirer encore une dernière ligne de la sécularisation, c'est la manière dont certains concepts apparaissent à l'analyse ou à la déconstruction comme des résidus de métaphores chrétiennes. Tiens, notre société, c'est la sécularisation d'une société chrétienne. Ce qui a été remarqué par Jacques Derrida, par exemple, à propos du pardon ou du repentir, pratiqué non seulement par l'Église, mais par de nombreux États, pourrait l'être de bien d'autres choses. Par exemple, la conception d'un monde transparent à la pensée, parce que créé par un Dieu transcendant, extérieur au monde. C'est une idée chrétienne. Par exemple aussi, l'idée de progrès par laquelle se sécularise le grand récit de l'histoire du salut. Ou bien l'idée de souveraineté, où l'on voit le philosophe allemand, le juriste allemand Carl Schmitt, déplacer un concept théologique, la seigneurie du Christ, pour l'attribuer au Reich politique. Ou bien encore la manière dont une exigence de charité non ostentatoire se sécularise dans des institutions anonymes de solidarité, de sécurité sociale, etc. Le fait même, enfin, de n'avoir pas d'interdit vestimentaire ou alimentaire, religieux, de pouvoir manger ou boire de tout, hein, je pense aux épîtres de Paul, est aussi au cœur du projet paulinien, et ça va avec ce projet d'une mondialisation où il n'y aurait plus ni juifs ni grecs, voilà, c'est encore quelque part un projet chrétien, et donc un projet occidental. Il faut que nous sentions cet ancrage de nos sécularisations dans un projet lui-même encore chrétien. C'est bien ce que les musulmans et d'autres lui reprochent aujourd'hui, et c'est ce que, à l'inverse, ce que revendiquait il y a bientôt 50 ans Harvey Cox dans La Cité séculière. Alors, je voudrais continuer par l'histoire croisée de la laïcisation et de la sécularisation. Il serait très utile pour comprendre où l'on en est de retracer à grands traits l'histoire de ce
paradoxe de ce compromis, de façon à mesurer les déplacements des problématiques et peut-être les malentendus. Si l'on examine les exemples historiques de laïcisation ou de sécularisation, d'ailleurs assez différents selon que ces processus se sont fait jour dans des sociétés plutôt catholiques ou plutôt protestantes, je m'éloigne un tout petit peu du contexte français, ou plutôt nordique ou plutôt latine par exemple, on constate qu'elles sont très différentes, très disparates, et disparates aussi les lumières. Il y a les lumières, l'Aufklärung, l'Enlightenment, ce sont des projets différents, légèrement différents. Et du coup, les réactions romantiques sont différentes. Le romantisme allemand n'est pas comme le romantisme français, etc. Donc vous voyez, on croit parler des mêmes choses, mais on est lié à des histoires légèrement différentes. Même l'idée de nation, les nationalismes et la laïcité a à voir avec la montée des nationalismes, de l'idée de nation, sont différentes dans le contexte allemand, dans le contexte français, dans le contexte anglais, italien, espagnol. Donc voilà, il y a le disparate tient aussi à la différence de traitement de la pluralité religieuse, mais aussi du droit de quitter une religion ou de se convertir. Quand on considère justement un pays comme la Turquie, on voit, me semble-t-il, qu'on ne peut pas aller très loin dans le sens d'une véritable laïcisation républicaine, pourtant très affichée dans la Turquie d'il y a 40 ans, lorsque j'y ai habité, j'ai habité 4 ans à Istanbul, si on ne laisse pas faire une certaine sécularisation, une certaine subjectivisation et libéralisation religieuse. S'il n'y a pas de démocratie religieuse, la laïcité est fragile. Et la laïcité est peut-être d'autant plus affichée qu'elle est en fait très incertaine dans une société très mono-religieuse. Il faut savoir que la laïcité turque incarcère les citoyens dans une identité religieuse. Sur ma carte de séjour, j'étais français et donc ils m'ont mis catholique. Le français, c'est un catholique, forcément. J'ai protesté. Ah non, vous êtes quel français, vous êtes catholique. Et c'est aussi une société dans laquelle on voit d'un très mauvais œil les conversions. Parce que c'est une société qui hérite de l'Empire ottoman, dans laquelle on est pris dans des identités communautaires, des mille lettres, hein, comme ça existe encore beaucoup, notamment en Israël d'ailleurs, encore aujourd'hui, ou au Liban, ou en Syrie, etc. Et donc les droits civils des minorités ne sont pas respectés dans un tel contexte. Plus grave, peut-être, la confession sunnite majoritaire a été longtemps réduite au rôle d'une sorte d'appareil idéologique de la morale officielle, de la religion officielle, etc. Et cet appareil idéologique, conception presque marxiste en fait, peut toujours échapper. Et on ne peut jamais instrumentaliser la religion sans risque. À mon avis, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour la KP en Turquie. Voilà, donc en ce sens, j'ai compris dans les 20 dernières années les revendications des confréries musulmanes comme un progrès dans la sécularisation. Il aurait fallu libéraliser réellement l'islam en Turquie, les islams, et libéraliser aussi toutes les autres minorités. La Turquie, c'était un pays où il y avait énormément de... C'était un trésor de diversité religieuse de toutes sortes, et beaucoup de christianisme très ancien qui était justement encapsulé, je dirais, dans leur langue, dans leur... etc. Et voilà, qui sont très mal traités. Je dirais même que au début des années 2000, on aurait pu imaginer que l'islam politique du parti de l'AKP, du parti de la justice, aurait pu devenir un peu comme la démocratie chrétienne, un parti, je dirais justement, qui allait avec une certaine démocratisation. Un islam qui aurait accepté d'être une force parmi d'autres. C'est ça qui n'a pas eu lieu. Je fais exprès de prendre cette focale sur le point de vue turc pour revenir au contexte français, pour voir justement la fragilité de la laïcité dans le contexte français aussi. Pour un motif qui est différent mais qui est semblable, c'est que la France est un pays de majorité catholique, c'est un pays catholique qui s'ignore. Il faut probablement être juif, musulman ou protestant, ou simplement un peu étranger, d'une façon ou d'une autre, pour le sentir. Non pas forcément comme une oppression, mais comme une curiosité, comme une surprise. La France est un pays catholique bien plus par son anti-catholicisme que par son catholicisme réel. Le catholicisme réel de la France, il est très vivant, il est actif, il est vivant, il est subtil. Mais la société française, les mentalités françaises ont épousé en creux la forme de cette substance dont elles se sont vidées, qu'elles ont caricaturées, qu'elles ont refoulées. Je ne parle pas des messes officielles auxquelles le pays entier communie à l'occasion des malheurs nationaux. Je parle de cette France profonde dont le catholicisme est le cher vieil ennemi, l'adversaire intime qui toujours éclipse tous les autres adversaires. Il pense toujours aux catholiques, une sorte de foulard. C'est toujours dangereux quand un pacte ou même un différend, une dispute,
prétend faire taire tous les autres, comme s'il était le seul. Et donc les protestants sont toujours du coup à côté de la plaque. Jadis, ils n'étaient pas catholiques. Aujourd'hui, ils ne sont pas... Ils sont chrétiens. Donc voilà, c'est toujours... Ainsi, la République jacobine a pris la forme moniste de la société de cour et communie dans l'unité indivisible du corps politique. On a simplement remplacé le mythe de l'unification nationale sous un seul culte par celui de l'unification sous l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, sans voir que c'est cette unanimité même qui est à la fois religieuse et puérile. Je parle aussi de la forme prise en France par le libertinage. Un petit grain d'immoralité se porte à la boutonnière et l'on considère comme délicieux l'art de transgresser les lois sans les abîmer. C'est très catholique, ça. C'est encore une manière très catholique. On le fait d'autant plus tranquillement que l'on aime au fond la loi, avec un grand L, et que l'on veut des normes républicaines fortes, la verticalité. Non. Il faut à nos libertins de salon un État fort ou un père tutélaire qui rappelle la norme de la République, quitte à ce que les pratiques réelles soient très loin de tout ça. Pire, il existe en France, même si très marginalement et inconscient de lui-même, un post-catholicisme antidémocratique, d'autant plus fanatique souvent que résolument athée, et dont l'une des meilleures figures historiques est celle de Charles Maurras. Aujourd'hui, les athées de ce catholicisme intégriste se recrutent bien autant chez des ultra-révolutionnaires de type maoïste, vituperant la démocratie, son humanisme. Et ce post-catholicisme anti-moderne, il est marginal, mais il donne quelque part le ton de la vie intellectuelle, parisienne en tout cas. J'en fais la remarque, les premiers qui aient une véritable capacité critique à l'égard de cet anti-catholicisme ultra-catholique, ce sont les catholiques eux-mêmes, qui résistent à ça, ceux dont la foi est assez vivante et crédible pour ne pas se laisser figer, muséifier dans cette culture morte, dans cette identité. Donc à l'abri d'une laïcité qui pourrait être bientôt plus que de façade, on rencontre donc de plus en plus de religions purement identitaires, intégristes, ou réduites à des bouts de religion sécularisés, mais dépourvues de toute foi, de toute inquiétude théologique. Alors, c'est pour ça que les Français seront catholiques, les Turcs sunnites, les Américains protestants, et c'est parce que ce serait le fond inconscient de nos cultures, et on en aurait besoin comme on a besoin d'un système culturel, si je puis dire, d'une identité. Je me rappelle une phrase du dessinateur Johann Sfar, vous vous rappelez, le chat du rabbin, hein, qui l'avouait ingénument, « Nous ne croyons plus à nos religions. Hein, » Il dit « Je ne suis pas juif, je ne crois plus, mais quand même, le judaïsme, c'est quand même la religion la plus sympathique. » disait-il. Et j'ai envie de dire, chacune estime que la sienne est au fond la meilleure. Parce que nous pensons nous aussi, les protestants, quand même, c'est quand même la meilleure. Les catholiques aussi, on n'est plus très catholiques, mais quand même, le catholicisme, c'est la meilleure. C'était un espagnol, un ouvrier espagnol communiste, qui reçoit un témoin de Jéhovah dans la banlieue de Madrid. Fernando nous racontait ça il y a quelques semaines. Il disait... Il arrête tout de suite le témoin de Jéhovah qui commence au boniment en disant « Écoutez, déjà, l'Église catholique, la Sainte Église catholique, qui est la seule vraie, est fausse. Alors vous... » Donc, je crois qu'on n'est jamais plus fanatique que pour une religion à laquelle on ne croit pas. Et c'est peut-être même le moteur psychique du fanatisme. Il n'y a plus de croyance, on y adhère d'autant plus qu'on n'y croit pas. Mais il y a l'autre version aussi, et nous sommes désormais pris en... Cisaille entre Caribe et Scylla, et l'autre versant qui avait été bien exploré par Olivier Roy, l'idée que dans un contexte de sécularisation, les religions se détachent de leur culture, elles se déterritorialisent, elles deviennent l'objet de décisions subjectives totales qui rompent avec toute tradition et se retrouvent incultes, ignorantes de leur propre tradition. Le danger n'est plus ici la rupture de la culture avec la foi, mais la rupture de la foi avec la culture. Et ça donne un fondamentalisme sans racine, celui des born again. Et c'est ici le risque inverse, hein, celui qui frappe aisément ceux qui ont une foi sans religion, sans tradition, sans culture. Il y a des religions sans foi et vous avez des foi sans religion. S'il vous plaît, excusez-moi de dire, on ne peut pas augmenter un tout petit peu le micro? Oui, je vais essayer de parler plus près. Si tu m'as dit, ça a tendance à siffler, je ne suis pas d'accord de le voir. Ça ne siffle pas trop. En plus, je parle rapidement. Alors maintenant, je voudrais parler de la mondialisation aussi encore, je vais terminer là-dessus ce premier panorama. Les embardées religieuses dont je viens de pointer me semblent significatives du fait que la mondialisation est passée par là, accélérant les échanges d'idées, d'images, les déplacements de population. Sous la pression du libre-échange, le monde n'a cessé de se cloisonner, et la France est désormais aussi un pays avec des cloisons, un pays musulman, où il y a peut-être
plus de musulmans pratiquants et vraiment croyants que dans beaucoup de pays de l'islam traditionnel. Je pense que l'islam français est en fait un islam très croyant, beaucoup plus qu'en Turquie, en fait, par exemple. Mais la mondialisation, ce processus touche toutes les identités. Il y a une mondialisation, mais en même temps, il y a un recloisonnement et de nombreuses frontières nouvelles qui accompagnent le besoin d'identité, d'immunisation, de communauté, suscité par la généralisation même des échanges. Peut-être le besoin d'avoir de l'inéchangeable, puisque tout est échangeable, il faut quand même qu'il y ait une part de choses qu'on ne puisse pas changer comme des chemises. Donc à l'uniformisation technique, on va dire, répond la balkanisation ethnique ou religieuse. Et au besoin d'échanger avec d'autres que soi, répond le besoin d'avoir un soi, d'avoir une identité. Comme Lévi-Strauss le remarquait, dès le début des années 50, dans Race et Histoire, nous devons penser désormais autant la clôture que l'ouverture. On ne combat pas le racisme et la xénophobie par une exigence supérieure d'ouverture, toujours être ouvert, mais en jouant sur les registres, un peu plus de clôture. Il faudrait peut-être un peu plus de clôture économique pour permettre un peu plus d'ouverture politique ou culturelle. On ne peut pas être ouvert, si vous voulez, à tous les égards. Hein. C'est justement le blocage qui nous menace, que cette obligation d'être soit ouvert, soit fermé, soit in, soit out, dedans ou dehors. Hein, voilà. Et il faut dialectiser ces concepts, faire jouer un peu cette dialectique entre l'ouvert et le fermé. Et donc, il en est de même pour la question de l'identité, qui n'a de sens qu'en regard de l'altérité, de l'urbanité, de l'être à plusieurs, hein, avec des autres, et qui doit elle-même être dialectisée entre une identité projet, une identité émancipation, une identité ouverte, parfois même une identité, je dirais, interrogative, simplement, librement interrogative, et d'autre côté, une identité racine, attachement, une identité liée en quelque sorte, et non choisie simplement, une identité venant de l'enfance, aurait dit Pierre Bayle, je vais en parler tout de suite. Et l'urbanité aussi demande à être délectisée de la même manière. Hein. Autrefois, la ville, c'était un lieu d'ouverture, un lieu d'anonymat. Aujourd'hui, la ville, c'est un lieu où on cherche ce qui nous ressemble. On va dans la paroisse pour retrouver ses racines, pour retrouver son village. On cherche dans nos villes des villages fermés, des gated communities, si vous voulez, hein, plutôt que de chercher cet espace anonyme, ouvert, qui était le cas dans les études autrefois de l'école de Chicago, qui montraient que justement c'était le melting pot. Donc, aujourd'hui, on cherche au contraire la ville postmoderne est une ville, il y a une inversion du paradigme, on cherche le lieu de fermeture. Et ça touche la laïcité elle-même. En 1905, l'idée de république représentait les forces de l'ouverture, les forces du progrès, la tradition néo-kantienne qu'on trouve chez nous, par exemple chez Auguste Sabatier, hein, avec l'opposition entre des religions de l'autorité fermée puis des religions de l'esprit. Hein, c'était aussi Bergson qui parlait de la morale et des religions fermées, des religions et des morales ouvertes. Et c'est ça qui a inspiré les penseurs de la loi de 1905. On sortait des religions rituelles et fermées et on allait vers des religions libérales, des religions spirituelles. Et on pensait que tous les ritualismes superstitieux allaient disparaître en faveur d'une religion éclairée, d'une vraie liberté de pensée, de partager ses pensées sans entrave. Kant disait qu'il n'y a pas de liberté de penser sans liberté de communiquer publiquement sa pensée. Je vous donne un exemple pour vous montrer le décalage dans lequel nous sommes. En 1920, le conseil presbytéral de Cré, c'est une histoire racontée que m'avait raconté Jacques Maury, que lui avait raconté le pasteur Bugner, hein, qui était pasteur à Cré ou par là, dans la Drôme. Le conseil presbytéral refuse à son jeune pasteur la nomination d'un nouveau conseiller, pourtant notable et bien sous le rapport et très actif dans la paroisse, et je crois proviseur du lycée, sous le motif que « mais c'est impossible, monsieur le pasteur, c'est un clérical, il va au culte ». Vous voyez donc, les protestants de 1920, ils estimaient qu'en fait un vrai protestant c'est quelqu'un qui ne va pas au culte. C'est quelqu'un qui est assez libre pour ne pas avoir besoin d'aller au culte, si vous voulez. Donc, vous voyez, on mesure la différence d'époque. Hein. Voilà, 100 ans plus tard, c'est au contraire, je dirais, la part la plus libre, la plus spirituelle des religions qui s'évaporent. Il reste ce que Régis Debray, j'ai eu beaucoup de débats avec lui à ce sujet, appelle le fait religieux. Le fait religieux, c'est les obligations rituelles, c'est les interdits alimentaires et vestimentaires, c'est les réflexes, vous voyez, identitaires, c'est ce noyau-là. C'est ça qu'on appelle la religion aujourd'hui. Donc, vous voyez, la laïcité n'est plus ce qu'elle était.
la séparation des églises et de l'État répondait à un besoin de séparer des sphères foncièrement différentes que l'histoire avait trop mêlées. Et au début, c'était une libération mutuelle et de l'État et des églises. Et les églises émancipées ont poursuivi leur œuvre encore plus librement en s'appuyant sur leur puissance sociologique avec l'élan acquis, mais avec une liberté évangélique et bénévole, on va dire. Donc au début, la qualité évangélique des églises en a été améliorée. Mais à la longue, il me semble que l'élan se dissipe, s'est dissipé, les bénévoles se sont fatigués de ne pas voir la relève, le tissu des corps intermédiaires se défait et il n'est resté que des militants de plus en plus mobilisés, des croyants, des fidèles, dans une sorte de compétition à la piété, et des nouveaux convertis par choix purement individuel. Bref, ce régime de séparation des églises et de l'État, qui nous semblait pourtant si conforme à la fois à la modernité démocratique et républicaine et au message évangélique, favorise malgré nous ce que nos religions comportent de plus crispé, de plus insomniaque, de plus prêt à se retirer hors du monde commun devenu trop lourd à porter dans une sorte de piété de communauté fermée au monde. J'en viens maintenant à Pierre Bayle, je vais refaire une sorte de pas en arrière pour comprendre d'où nous venons, nous Français et nous protestants, pour comprendre ça. Bayle, je trouve, est un bon rétroviseur de ce passé, de la déconstruction des promesses inachevées de ce passé. D'abord, Bayle, c'est un auteur très disputé. Bayle, c'est 1647-1706. Bon, il a soulevé beaucoup de querelles d'interprétation. Moi, ce qui m'intéresse ici, bien sûr, c'est le Bayle philosophe politique. C'est ça dont j'ai traité dans ce livre aux éditions Michelon il y a 2-3 ans. Donc c'est un moment charnière de la pensée politique moderne. Et c'est un penseur qui a beaucoup à dire aux auteurs contemporains. Il y a tout un débat justement autour de la religion de Bayle. Était-il un athée masqué? Était-il un fidéiste, etc.? Et ça touche justement la question, le sens même des Lumières, de la tige des Lumières. Parce que Bayle est très important pour comprendre d'où viennent les Lumières. Hein, Anthony McKenna est un grand spécialiste de Bayle, qui dit que c'est une déconstruction philosophique des fondements de la souveraineté politique moderne. Donc, je dirais très vite, la lecture du Dictionnaire historique et critique, hein, où c'est un livre très, très surprenant, qui n'a jamais été édité énormément au XVIIIe siècle, je ne sais pas combien d'éditions, des dizaines, et puis des traductions, et puis depuis, plus rien, parce que d'abord c'est trop volumineux, puis c'est juste un dictionnaire des erreurs, donc c'est complètement... c'est un texte complètement baroque, avec des petits articles, des notes interminables, des références. Ben bon, c'est très difficile à republier aujourd'hui. Et en même temps qu'il est à l'origine des Lumières, que tout le monde a reconnu pendant tout le siècle du XVIIIe siècle, c'était pensé que Bayle était l'auteur le plus important de tous les temps. Vous voyez, une sorte de paradoxe. Hein. Voltaire disait « Bayle est plus grand que tous, je veux le consulter, assez sage, assez grand pour être... assez sage, assez grand pour être sans système, il les a tous détruits et se combat lui-même. » Et c'est du côté contradictoire, déconstructeur. Voilà. Et en même temps, Voltaire reprend l'idée d'un dictionnaire philosophique, mais beaucoup plus court, et puis il prend Candide, donc il s'appuie sur Bayle contre Leibniz. Bon, mais en fait, Voltaire a gagné. Mais Frédéric II, le roi de Prusse, qui avait lu très jeune le dictionnaire de Bayle, écrit justement une lettre à Voltaire où il dit « On dit que le peuple a besoin du frein de la religion pour être contenu. Hein, » Frédéric II, le despote éclairé par excellence. Hein. « Je vous assure que ce n'est pas mon sentiment. Au contraire, l'expérience me range entièrement dans l'opinion de Bayle. Une société ne saurait subsister sans loi, mais bien sans religion. » Une société peut exister sans religion. Voilà comment Bayle a été lu dans son temps. Alors, je remonte un petit peu. Bayle, pour le comprendre, il faut comprendre qu'il est fidèle au loyalisme de Calvin à l'égard de ce que Calvin appelle les magistrats, hein, les princes, on va dire. Et ça peut paraître très archaïque. Au moment où justement on va vers la guerre des Camisards, etc., l'espèce, de respect qu'a Bayle à l'égard de ce loyalisme calviniste, hein, c'est quelque chose qui est très très archaïque. Il faut comprendre que le contexte a changé. Jusqu'alors, la monarchie n'avait jamais été absolue, elle était encadrée par une aristocratie puissante, on le voit très bien dans les correspondances de Calvin avec Jeanne d'Albret, avec Édouard d'Angleterre, etc. Mais après les guerres de religion, qui ont ravagé le pays, tous les pays d'Europe, hein, enfin en tout cas l'Allemagne et l'Angleterre avec la Révolution anglaise, bon, et qui ont blessé tant de mémoires, la dissociation de la sphère politique et de la sphère religieuse s'impose peu à peu à la minorité protestante,
finalement peu à peu à tout le monde, ainsi que la nécessité d'un pouvoir souverain au-dessus des partis religieux. Et donc, au grand problème des guerres de religion, il fallait une grande réponse. Et cette grande réponse, c'est l'absolutisme royal, qui est au-dessus de tout, de la religion. Pourtant, Henri IV avait tenté une véritable refondation de la monarchie française sur un modèle complètement opposé à celui-là, à l'idée qu'il faut une religion pour fonder un politique. C'est le principe du cuius regio et ius religio. Hein, chaque royaume, chaque roi a sa religion, qui était une solution trouvée par les princes allemands contre l'Empire catholique. Bon. Donc en cherchant une troisième voie, en dehors de la présupposition jusque-là commune que l'unité religieuse est le ciment de l'unité politique. Le roi de Navarre postulait au contraire qu'un État peut tolérer plusieurs religions. Bayle, en fait, il est très archaïque, même dans la France du XVIIe siècle. Il partage cette idée, de fait peu à peu battue en brèche par les doctrines absolutistes, que l'idéal serait un roi capable de protéger une minorité d'une autre religion, ou bien un peuple qui supporterait un roi d'une autre confession que celle de la majorité. Hein, c'est ça l'idée de base. Il faut accepter ce décalage. La conversion d'Henri IV, puis l'édit de Nantes, n'était pas interprétée seulement comme des concessions juste pour faire la paix. Il manifestait une dissociation des registres qui devait être pensée non seulement politiquement, mais aussi théologiquement pour Bayle. Bayle est le penseur tardif de ce compromis dont il juge les promesses encore inachevées, et il ne cesse de chercher à dissocier l'adhésion religieuse, qui est libre et en conscience, et l'allégeance civile au souverain, qui reconnaît la légitime contrainte. Remarquons au passage une affirmation très importante, c'est que, il s'appuie aussi sur Calvin, l'idée que, je cite Calvin, « cela ne s'est pas fait sans la providence de Dieu que diverses régions fussent gouvernées par diverses manières de police, de régime politique. Hein, en effet, les lois politiques varient, je continue à citer Calvin, selon la condition et circonstances du temps, du lieu et de la nation. Ça peut varier. Les régimes politiques peuvent varier, c'est secondaire. Et nous avons, je continue à dire Calvin, nous avons à suivre la coutume et les lois du pays où nous vivons et une certaine règle de modestie. Donc tout à fait de la même manière, Bayle, il est monarchiste en France, puisque c'est la forme française, et il est républicain aux Provinces Unies, parce que les Provinces Unies sont républicaines de son temps. Vous voyez, donc c'est relatif. C'est une position paradoxale qui n'est pas du tout de l'opportunisme, c'est vraiment l'originalité de sa pensée. Alors, je vais construire le débat chez Bayle. On a ce débat dans un texte important qui s'appelle « Le commentaire philosophique » sur ces paroles de Jésus-Christ contraint les entrées, qui est écrit au moment de la révocation, au moment même de la révocation. Il montre que le roi ne peut contraindre ses sujets en matière religieuse. Il ne s'agit pas de réduire la conviction religieuse au fort intérieur de telle sorte que rien n'en apparaisse en dehors dans la sphère privée. Parce que, en gros, c'était ça que voulait Louis XIV. Donc, on a la liberté de pratiquer sa religion chez soi, volet fermé, etc. Mais rien ne doit en paraître à l'extérieur. Ben, il écrit, il y a d'honnêtes gens, ennemis de la persécution à ce qu'ils croient, et grands partisans des immunités de la conscience, qui disent que les souverains ne peuvent pas, à la vérité, châtier ceux d'entre leurs sujets qui ont eu une telle foi, mais qu'ils peuvent, sous certaines peines, leur défendre d'en faire profession publique. Vous voyez ? Donc là, Bayle énonce déjà ce que je disais tout à l'heure avec le point de vue de Kant, qu'il n'y a pas de liberté de penser s'il n'y a pas de liberté de communiquer sa pensée. Donc la persécution consiste tout autant à écraser la possibilité d'expression de ce qu'on pense qu'à imposer une expression qui ne correspond pas à ce que l'on pense. La conscience chez Bayle n'a pas grand-chose à voir avec la conscience individuelle du sujet libre, émancipé, choisissant librement une opinion parmi sur le marché des opinions, comme on dirait aujourd'hui, si vous voulez. Les droits de la conscience errante ne sont pas la liberté d'opinion. La conscience chez Bayle, c'est pas croire ce que je veux. Cette idée, au contraire, est le prolongement inattendu de la doctrine de la prédestination. C'est l'idée que la conscience, c'est ce qui, en l'homme, ne dépend pas de l'homme, et donc encore moins du clergé ou des magistrats. Mais ça dépend de Dieu seul. Donc ce n'est pas son œuvre, ce n'est pas son mérite, c'est quelque chose à quoi il ne peut rien. Il ne peut pas plus changer sa conscience que changer sa couleur de ses yeux, ou son goût, ou son dégoût d'une cuisine. Il parle du pape Adrien VI qui voulait obliger tous ses sujets à manger du merlan, parce qu'il aimait le merlan. Donc voilà, c'est la même idée. La prédestination brise justement le déterminisme et laisse en chacun une réserve sur laquelle personne ne peut mettre la main. Voilà, disons, lui a une lecture très pragmatique et très politique
que Bayle fait de la doctrine de prédestination. Et donc, du coup, il y a une sorte de sincérité malgré soi, c'est bien, mais qui ne peut justifier aucun acte criminel, parce que la sincérité de l'intention se marque au respect de la sincérité d'autrui, dans une sorte de mutation réflexive, dans laquelle je dois tenir compte du point de vue de l'autre, et donc je ne peux pas pratiquer ou faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent, hein, je résume. Hein. Il faudrait traiter, si on voulait trouver une règle commune, il faudrait traiter au fond des controverses, examiner qui a tort à raison dans sa profession de foi. Cette affaire est de longue haleine, comme chacun sait, on n'en voit jamais la fin, de sorte que, comme en attendant le jugement définitif du procès, on ne pourrait rien prononcer sur les violences. Et donc il dit, non, je voudrais qu'un homme qui veut connaître distinctement la lumière naturelle par rapport à la morale s'éleva au-dessus de son intérêt personnel ou de la coutume de son pays et se demanda en général, une telle chose est-elle juste? Et s'il s'agissait de l'introduire dans un pays où elle ne serait pas en usage, où il serait libre de la prendre ou de ne pas la prendre, verrait-on en l'examinant froidement qu'elle est assez juste pour mériter d'être adoptée. Vous voyez, c'est la recherche d'une règle universalisable. Ça, c'est un côté. L'autre côté, face à ce qui s'est passé en Angleterre, c'est que la majorité protestante a refusé de reconnaître un roi de la minorité catholique. C'est la glorieuse révolution. Et ça a révolté Bayle. Parce qu'en fait, si les protestants avaient été cohérents, ils auraient dû demander pour l'Angleterre ce qu'ils demandaient pour eux en France. Il y a un respect de cette séparation des sphères et donc la possibilité d'avoir un prince d'une autre religion. Soit que le prince protégeât la minorité de la majorité, soit que le prince d'une autre religion que la majorité soit accepté par cette majorité. Pour faire passer ce message, il prend un biais complètement opposé au commentaire philosophique. Il va écrire un avis important aux réfugiés sur leur prochain retour en France pour dire comment est-ce que vous pensez qu'on va vous recevoir en France si vous faites en Angleterre ce que vous avez fait, hein, que vous soyez aux Pays-Bas ou que vous soyez en Angleterre, etc. Donc c'est un texte qui a été très 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 mal perçu côté protestant. Mais donc, il y a un premier texte qui est très anti-catholique, on va dire, apparemment, et un deuxième texte qui est très anti-protestant de l'autre côté. Oui, ça, c'est complètement bail. Et donc, il y a une faillite du modèle protestant qui, d'un côté, le modèle catholique, il va toujours légitimer l'imposition à tous d'un théologique copolitique vertical qui est imposé aussi aux minorités ou aux enfants, si je peux dire, le peuple comme enfant. Mais le modèle protestant, il va toujours légitimer la dissidence et la rupture du pacte dans un théologico-politique plus horizontal, mais dans lequel on peut toujours rompre le pacte et désobéir au roi si le roi ne nous convient pas. Et donc c'est très dangereux politiquement. Je ne lis pas la suite parce que je vois que je suis un peu long. Alors comment est-ce que Bayle va articuler ces deux discours? Il y a un décalage entre les deux discours. Comment est-ce que... D'abord, il y a une cohérence pragmatique. Hein. Il reproche aux protestants français réfugiés de faire exactement ce qu'ils avaient naguère reproché à leur ennemi catholique. Mais par derrière, il y a une question politique beaucoup plus radicale qui touche au paradoxe politique. Là, on commence à vraiment rencontrer le cœur de la question. Quelle est la question politique la plus radicale? Est-ce que c'est les désordres séditieux, la guerre civile, la menace du désordre religieux, ou bien est-ce que c'est la persécution religieuse au nom du monopole de l'interprétation légitime? Est-ce que qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est la dissidence protestante, pour le dire comme ça rapidement, ou est-ce que c'est l'imposition catholique d'une France toute catholique, d'un pays où la religion s'impose d'en haut, verticalement? On trouve ça dans l'article prolongé, dans l'article Hobbes et dans l'article Milton, dans lequel il soutient les deux points de vue. Il dit, pour moi... je laisse tomber, c'est Milton. On pourrait prendre plein d'exemples dans lesquels il soutient les deux, et c'est complètement contradictoire. Il faut savoir, t'es de quel côté. Mais justement, chacun, et ça c'est typique de Bayle dans le dictionnaire, c'est que dans le dictionnaire de Hobbes, il donne raison à Hobbes, dans l'article Milton, il donne raison à Milton, alors qu'ils sont complètement à l'opposé en philosophie politique. Alors, il écrit dans une remarque de l'article Hobbes, « Si vous voyez d'une part les grandes maximes de la liberté, ces beaux exemples du courage avec lequel on l'a maintenu ou recouvré, mais vous voyez de l'autre les factions, les séditions, les bizarreries tumultueuses qui ont troublé et ruiné un nombre infini d'États,
qui se montrèrent si ennemis de la tyrannie dans l'ancienne Grèce. Ne semble-t-il pas que ce tableau soit une leçon bien capable de désabuser ceux qui s'effarouchent de la solidité de monarchie ? Hobbes le croyait puisqu'il publia dans cette vue la version d'un historien d'Athènes. Tournez la médaille et vous trouverez que ce tableau sera propre à donner une instruction bien différente de celle-là et à fortifier l'horreur pour la monarchie. Car d'où vient, demandera-t-on, que les Grecs et les Romains ont mieux aimé être exposés à ces confusions, à ces désordres, que de vivre sous un monarque ? Cela ne vient-il pas de la dure condition où les tyrans les avaient réduits ? Et ne faut-il pas qu'un mal soit bien rude, bien insupportable, bien déplorable, lorsque l'on veut s'en délivrer à un si haut prix ? Oui, c'est un peu, excusez-moi, c'est une langue un peu ancienne, mais vous voyez, d'un côté, chacun des deux côtés, il y a un problème. Voilà. On a tellement souffert du monarque absolu qu'on est prêt à la liberté à n'importe quelle condition, ou on a tellement souffert des désordres, des séditions et de la liberté que finalement on préfère un roi qui a au moins un poste de l'ordre. Voilà, donc une sorte de double tragique. Si vous soumettez les ordres du prince à l'examen du sujet, vous jetez l'État dans le péril continuel des guerres civiles. Si vous donnez au prince une puissance sans bornes, vous jetez le peuple dans la malheureuse nécessité de ne jamais pouvoir sauver ses biens, ni sa vie, ni surtout sa conscience, sans se rendre criminel. Voilà. Et donc, il n'y a pas de bon régime dans l'absolu. Il faut tenir compte de cette espèce de caractère bancal du politique, de ce paradoxe politique, hein, et dans lequel il y a des deux. Hein. Il n'y a pas de bon régime. Il faut trouver l'équilibre entre ces deux questions, ce qui veut dire qu'il faut désabsolutiser les régimes politiques. Peu m'importe, dit-il, pour le présent, que ce tribunal suprême consiste ou dans la volonté d'un seul homme ou dans le concours d'un certain nombre de suffrages, de sorte que la différence des monarchies et des républiques ne consiste pas à ce qu'il est plus permis de désobéir à la puissance souveraine dans la république que dans les monarchies, mais est-ce que dans les monarchies, cette puissance est attachée à une seule personne, au lieu que dans la république, elle demande un certain concours de suffrages. Oui, bon, en gros, voilà, en fait, il faut désabsolutiser les régimes. Vous vous rappelez que je disais que Bayle soutenait qu'on n'avait pas besoin de la religion. Rousseau, dans le chapitre sur la religion civile, dit au contraire, hein, je crois qu'en développant sous ce point de vue les faits historiques, on réfuterait aisément les sentiments de Bayle, qui prétend que nulle religion n'est utile en politique. On prouverait que jamais l'État ne fut fondé que la religion ne lui servit de base. C'est Rousseau qui écrit ça. Donc, c'est important pour la France, hein, de voir que Rousseau, il est dans ce point de vue-là, hein, qui est plutôt le point de vue finalement de Voltaire plus que celui de Bayle. Donc, vous voyez, on a chez Bayle ces deux lignes qui tirent dans deux directions différentes, une ligne quasi-monarchique, dans laquelle il y a une dimension verticale, indivisible de la souveraineté, qui s'est prolongée, comme l'a montré Blandine Krigel, par exemple, dans un certain jacobinisme républicain et dans un certain principe de laïcité. Républicain, oui. Et il y a la ligne quasi-républicaine, là, au sens des Provinces-Unies, hein, ce pouvoir bourgeois dans les Provinces-Unies, qui trouve son prolongement dans le pluralisme démocratique, la tolérance, la liberté de conscience, et c'est plutôt le côté de la sécularisation. Et ces deux lignes se croisent, se corrigent mutuellement, et c'est ainsi que le paradoxe politique de Bayle, je trouve, nous accompagne encore. On est encore face à la même question. On se retrouve aujourd'hui toujours avec cette même question. Troisième et dernière partie, je reviens à nous, à travers Ricoeur et les paradoxes politiques de Ricoeur, après cette plongée pour trouver des points d'appui dans le passé, pour essayer de comprendre d'où nous venons, essayons de revenir à nous avec donc quelques citations, quelques réflexions de Ricoeur sur la laïcité, mais aussi sur les paradoxes du politique et du théologico-politique. Alors d'abord, sur la laïcité, Ricoeur distingue la laïcité d'État et la laïcité de la société civile. Une laïcité d'abstention, l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Il s'agit là du négatif de la liberté religieuse dont le prix est que l'État, lui, n'a pas de religion. Cela va même plus loin, cela veut dire que l'État ne pense pas qu'il n'est pas ni religieux ni athée. On est en présence d'un agnosticisme institutionnel. C'est dans La critique et la conviction qu'il écrit ça. Et d'autre côté, la laïcité de confrontation dans la société civile, laïcité dynamique, active, polémique, dont l'esprit est lié à celui de la discussion publique. Un peu plus loin, il écrit « La laïcité me paraît être définie par la qualité de la discussion publique, c'est-à-dire par la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer, mais plus encore par l'acceptabilité des arguments des autres. Une société pluraliste repose non seulement sur le consensus par recoupement, c'est Charles Taylor, hein, qui est nécessaire à la cohésion sociale, mais sur l'acceptation du fait qu'il y a des différends non solubles. »
Ricoeur sera pendant quelques dizaines d'années président de la Fédération protestante de l'enseignement dans les années 50, donc en pleine guerre des écoles. Et donc il écrit que l'école se trouve dans une position mitoyenne entre l'État, dont elle est une expression en tant que service public, et à cet égard, elle va comporter l'élément d'abstention qui lui est propre, hein, c'est des citations de Ricoeur, et la société civile qui l'investit de l'une de ses fonctions les plus importantes, l'éducation. Et donc là, c'est au contraire l'éducation mutuelle. Alors, j'en viens maintenant au cœur de l'idée de paradoxe politique. Ricoeur n'a cessé de décrire, de déconstruire des paradoxes politiques qui nous aident, je trouve, à comprendre notre embarras face à la question de la laïcité. D'une part, il va opposer deux grandes traditions de philosophie politique, l'une plutôt optimiste quant à la rationalité du politique, et l'autre plutôt pessimiste quant à l'irrationalité de la politique, hein, comme technique du pouvoir. D'un côté, on a justement l'optimisme politique qu'on trouve chez bon, alors, on pourrait remonter depuis Aristote, Baudin, Jean Baudin, Milton, d'une certaine manière. Et puis de l'autre côté, on a un certain pessimisme politique qui serait plutôt platonicien, Machiavel, Hobbes. Bon. Et vous rappelez qu'avec Bayle, on avait les deux côtés. Donc Ricoeur reprend justement ces deux traditions. Il faut les composer, il faut les penser ensemble. Et dans un texte de 1957, au moment du coup de Budapest, Ricoeur écrit un texte intitulé « Le paradoxe politique » dans lequel il montre qu'il faut penser en même temps la rationalité politique et l'irrationalité politique. Et une rationalité spécifique, mais aussi des irrationnels spécifiquement politiques, irréductibles à des irrationalités économiques, par exemple, à l'exploitation. Il y a des mots proprement politiques, ce que le communisme n'avait pas compris, qui ne sont pas réductibles à de l'exploitation économique. Et donc ça veut dire que la démocratie, il faut à la fois, de l'intérieur, penser que la liberté oriente le politique, l'institution politique positivement, mais aussi de l'autre côté, il faut que de l'extérieur, la liberté résiste aux abus du pouvoir. Et il faut penser les deux, institution et résistance. Et on a tendance aujourd'hui, soit on est dedans, on ne veut penser que l'institution, soit on est que dehors, on ne veut que tout le temps la protestation, la dénonciation et la résistance. Il y a en France une tradition de philosophie politique qui est tout le temps toujours dans la résistance, toujours dans le non, hein, toujours en fait, dehors. C'est Merleau-Ponty qui disait en 58, au moment où on venait, des journalistes venaient interroger, hein, Monsieur Merleau-Ponty, comment est-ce qu'on va organiser un contre-pouvoir? Et il disait, attendez, avant d'organiser un contre-pouvoir, il faut qu'il y ait un pouvoir dans ce pays. Bon. Donc, être dedans et dehors, je trouve ça important, hein, par rapport à la situation actuelle. Tiens, ni être forcément du côté du gouvernement, complètement, à 100%, ni être à 100%, dans la situation où il y a une rupture démocratique entre dedans et dehors, c'est vraiment des moments de détresse politique. C'est des moments de très graves crises de politique où on est obligé de choisir soit pour, soit contre de manière totale. Mais la réalité de la vie politique, c'est de rester critique et en étant en même temps solidaire, en essayant de l'intérieur de modifier les lois. Ça, c'est le côté réformiste, on va dire. Bon, il faut tenir les deux. Alors maintenant, je vais creuser sous cette deux traditions vers le théologico-politique. Ricoeur écrit « Le politique en France a conquis son autonomie à l'encontre de ce que nous avons appelé le théologico-politique, des régimes totalitaires où l'Église assure à l'État sa légitimité. Ainsi a été trouvé dans la sphère politique, dans la sphère publique, un équivalent de l'autonomie que Kant réservait à la dimension morale. L'une des difficultés du problème français, et peut-être des pays latins en général, tient au fait que l'Église catholique a été et demeure de structure monarchique et qu'elle constitue ainsi un modèle de politique autoritaire. Et de plus, ce serait une illusion de croire que la politique est définitivement quitte de toute référence théologique. À la racine du politique, à son fondement, il y a l'énigme de l'origine de l'autorité. D'où vient la légitimité? C'est une chose qui est toujours non réglée et qui fait que l'ombre ou le fantôme du théologique continue de rôder autour du politique. Par conséquent, pour fabriquer la laïcité telle qu'elle existe en France, il a fallu composer ensemble, dans un dialogue constructif, un modèle qui a cessé d'être monarchique dans le politique et un modèle qui est resté dans l'ecclésiastique. Le débat autour de l'école publique et privée gagnerait en clarté si on lui restituait ses références historiques. Alors, ça c'est une première stade. Mais plus loin, dans un autre texte, une conférence qu'il a donnée plus tard, il écrivait « Le renversement de la théologie politique est resté pour l'essentiel une révolution à l'intérieur du rapport de domination verticale.
Le peuple est mis à la place de Dieu, mais comme source de souveraineté, sans que soit remis fondamentalement en question le rapport entre le lien vertical de domination et le lien horizontal de coopération. Il écrit ça dans un texte qu'on a publié dans la revue Esprit en septembre dernier, intitulé « Le pouvoir politique, fin du théologique politique ». Il continue en disant « La thèse que je veux soutenir est que la conception théologique du pouvoir qui est en train de mourir est presque exclusivement axée sur la prééminence du rapport de domination sur le rapport de coopération. Si tel est le cas, la fin du théologique politique ne serait pas la catastrophe que les esprits anti-modernes déplorent, ce fut sous le nom de la République, et que les post-modernes après Nietzsche et d'autres célèbres. » Donc, vous voyez, il voudrait réveiller une dimension horizontale, un autre théologico-politique, qui serait le théologico-politique de l'alliance, du pacte, plus horizontal, on va dire. Et il y a, en effet, l'apport d'une théologie biblique de l'alliance, du pacte, à cette philosophie politique, donc un théologico-politique, non pas paternel et hiérarchique, mais on va dire conjugal et libre. Liberté de rompre le pacte et de le recommencer. Liberté de divorcer, on va dire. Mais justement, là encore, il va falloir composer les deux principes. Quand un pouvoir démocratique, de pacte, de type pacte, devient démagogique, appuyé sur des majorités crédules, et à quelle autorité légitime et reconnue les plus faibles peuvent-ils faire appel? Ça, c'était l'objection de Bayle. Quand la majorité devient dangereuse, où est le recours des minorités dans une société purement horizontale? Il faut bien faire appel à une autorité supérieure. Il faut bien faire appel à... C'est là que la figure du magistrat, au sens du droit constitutionnel, ou la figure, de la verticalité, la théologico-politique verticale, revient avec une certaine place pour protéger la minorité écrasée par la majorité. Et c'est pour ça que les questions posées par Bayle restent d'actualité. Et voilà, le problème, c'est que l'État, nation moderne, il a des sources théologico-politiques, mais il ne les pense pas et il ne les met pas en débat actif. Donc il n'y a pas cette correction que Bayle proposait et à mon avis que Ricoeur propose et qu'aujourd'hui est très, très paresseuse. On voit très bien, il me semble, que Macron hésite complètement entre une conception uniquement verticale, mais avec des effets pervers du pur vertical, et une conception purement horizontale, mais aussi avec les effets pervers du purement, comme si tout était négociation libérale, si je puis dire. Oui, bon, comment articuler les deux axes? Puis troisième et dernier paradoxe, c'est le paradoxe, je dirais, de l'englobé englobant, et qui touche beaucoup la laïcité. C'est le troisième paradoxe de la laïcité, j'ai pratiquement terminé là-dessus, qui représente à la fois, c'est que voilà, la laïcité représente à la fois un cadre juridique neutre pour la diversité des traditions, placé autour d'un vide central, et une tradition de pensée, un mouvement de pensée constituant l'une de ces traditions issues des Lumières. C'est aussi une tradition qui se doit d'être exemplaire dans sa façon de plaider la pluralité des traditions. En ce sens-là, la laïcité contemporaine d'un paradoxe politique remarqué par Ricoeur dans sa discussion avec un philosophe américain qui s'appelle Michael Balzer, qu'on a retrouvé dans un débat de Ricoeur avec Luc Boltanski, les sociologues Boltanski et Laurent Thévenot, c'est le politique est-il une sphère parmi les autres ou bien l'instance régulatrice entre les sphères, qui permet la régulation entre les différentes sphères. Il y a la sphère économique, la sphère... il y a plusieurs sphères de vie. Et est-ce que le politique, c'est la sphère des sphères, ou est-ce que c'est une sphère parmi d'autres? Et c'est un problème, parce que si c'est juste une sphère parmi d'autres, justement, elle est fragile, elle est faible, c'est la démocratie, mais elle est menacée par d'autres sphères qui peuvent l'englober, notamment la sphère économique. Et si c'est la sphère des sphères, on réintroduit une dimension de verticalité, je dirais, de seulement verticale. Donc, est-ce que la laïcité, c'est juste un cadre formel, juridique, ou bien est-ce que c'est un principe substantiel? Ce qui serait inacceptable, ce serait une tradition qui prétendrait avec véhémence être garante à elle seule du vide central, et qui aurait ainsi le beurre et l'argent du beurre. C'est ça le point délicat. Les confessions ont été désacralisées, elles ont perdu leurs prétentions absolutistes et exclusives, mais la religiosité humaine ayant besoin d'absolu, la laïcité elle-même pourrait risquer, chez certains, de devenir la religion de l'État, la religion civile, l'appareil idéologique chargé de dire la vérité et de dire le juste. La religion laïque entre ainsi en conflit avec la constitution laïque. La première voudrait que la souveraine laïcité est une autorité sacrée au-dessus de tous les partis.
La seconde voudrait que l'on n'ait pas besoin de sacraliser la neutralité juridique qu'elle défend. Voilà, on a encore ce caractère bancal. Voilà, c'est ça vraiment la question pour la laïcité. Alors je conclue, la laïcité est fragile. Il faut qu'on... Ça, on le mesure au fait notamment que pas mal de penseurs de gauche affirment, on a entendu ça, que Marine Le Pen soit la seule à défendre la laïcité. C'était un peu curieux. En entendre ça, c'est... Qu'est-ce qu'elle disait ça ? C'était... Badinter, elle. Elisabeth Badinter a dit ça. Bon, après, elle s'est dit, non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, bon, elle a dit, et ça a été quand même très fort. Et donc, on le mesure aussi que, bien étonnant, au fait que bien étonnant de la laïcité, réduise la liberté de conscience à une liberté privée. Celle du fort intérieur ou du culte familial, si je peux dire. Bon, il ne faut pas que ça se voit. Et même, on pourrait arracher les enfants à des parents sectaires, hein, si on a senti aussi ça aussi. Et là, on dit, mais les promoteurs de la révocation de l'édit de Nantes ne voulaient rien d'autre. On revient exactement à Louis XIV, en fait. Donc, si c'est le point où nous sommes rendus, trois siècles après, on va dire, bon, on a bien avancé. On se retrouve au même point. Donc, comment recommencer, à partir d'où? Vous avez vu. Ben, je pense à partir de ce caractère bancal. Il faut accepter ce caractère bancal et le faire travailler. Il ne faut pas le prendre paresseusement comme un truc. Ricoeur, en discutant à Vermas, l'idée d'une crise de légitimation, écrivait au début des années 90, un retour au pur idéal de l'Aufklärung ne paraît plus aujourd'hui suffisant. Pour libérer cet héritage de ces perversions, hein, qui avait été très bien pointé par l'école de Francfort, Adorno, etc., comment les Lumières ont donné quelque chose de monstrueux, une certaine forme de la colonisation, hein, bon, et puis carrément la Shoah. Hein, bon, il faut le relativiser, c'est-à-dire le replacer sur la trajectoire d'une plus longue histoire, enracinée d'une part dans la Torah hébraïque et l'évangile de l'Église primitive, et d'autre part dans l'éthique grecque des vertus et la philosophie politique qui lui est appropriée. On pourrait multiplier, il y a d'autres traditions. Si vous voulez. Autrement dit, il faut savoir faire mémoire de toutes les traditions qui se sont sédimentées, et c'est dans la réactualisation d'héritages plus anciens que celui de la Aufklärung, et aussi peu épuisé que ce dernier, que l'identité moderne peut trouver des correctifs appropriés aux effets pervers qui aujourd'hui défigurent les acquis irrécusables de cette même modernité. En gros, on ne peut pas jeter les lumières à la poubelle, on a besoin des lumières, mais on a besoin des correctifs aux lumières par d'autres traditions. Et ces traditions, elles ont besoin de se corriger mutuellement. Si la modernité tient à ce pacte laïque qui autorise et intériorise la pluralité des sociétés séculières, il faudra bien que le pacte en soit placé sous la commune sauvegarde en tenant compte de ces nouveaux venus que sont autant les générations nouvelles que les immigrants. En effet, les questions ici recroisées ont été posées 1000 fois et elles méritent d'être réitérées, réinventées, car le paysage évolue. Contrairement à ce que l'on croit, d'ailleurs, les problèmes ne sont jamais résolus, mais en s'entassant, ils s'éboulent parfois, et les éboulements des problèmes forment de nouveaux problèmes qui font oublier les anciens. Du même coup, il arrive que ce qui jadis était apparu comme une impasse soit soudain un passage ouvert. Merci.